Salut tout le monde! Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo comment j'organise mon mois de septembre. Donc en anglais, je crois c'est Plan with me September. Voilà, je crois, je me souviens plus du titre. Donc c'est encore une vidéo organisation, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous montrer sur le mois de septembre ce que j'ai prévu ou autre. Donc je vais tourner la caméra pour vous montrer tout ça. Donc voilà, mon bullet journal, hein, je vous l'ai présenté dans la dernière vidéo. Donc la première chose que je vais faire, et j'ai oublié de le faire justement, donc je vais vous montrer, hop, je vais prendre du bleu. Donc la première chose que je vais essayer de faire tous les mois, hop, liste, donc c'est regarder au niveau des anniversaires, donc au mois de septembre, j'ai tout ça à reporter. Donc, on va le faire ensemble. Même si, du coup, c'est en retard. Donc là. Hop. Après, bon, bah, il y a le mien. Mais le mien, je le connais hein, quand même. Ce serait quand même dommage de ne pas le savoir. Le 27. Et le 30. Voilà. Donc, ensuite, que je revienne. Et où le début? Voilà. Donc, j'ai déjà commencé. J'ai noté septembre. Bon, là, je tourne la vidéo. On est le 2 septembre. Et il faut que je fasse mon tracker d'humeur, je ne l'ai pas rempli, je ne l'ai pas encore fait, il faut que je le dessine, et je voudrais en fait le dessiner comme j'ai fait sur l'autre. Donc je vais vous montrer ce que j'avais fait sur le grand. Sur le grand, c'était pas pour le mois de septembre, c'était pour le mois de janvier, mais c'est parce que c'était pareil, c'était le thème des dalmatiens. Donc j'avais fait ceci, j'avais dessiné des différents nonos, et je comptais donc mettre les numéros au fur et à mesure et rajouter donc chaque comment dire, c'est cherche mes mots, je ne sais plus, oui, et donc rajouter la couleur correspondant à l'humeur du jour. Mais il faut vraiment que je simplifie vraiment l'humeur, donc à en avoir le moins possible, peut-être faire les j'allais dire peur, panique, mais enfin peur, dégoût et tout ça, mais non, ça ira pas. Encore joie, colère et tristesse, ça passe, mais pourquoi j'aurais des journées où je suis dégoûtée et des journées où je suis en panique? Enfin bref, faut que je trouve. Donc voilà pour la première page. Ensuite, j'avais commencé donc dès le 29 parce que j'avais certaines choses qu'il fallait que je note. Surtout pour le 30 et le 31 parce que je reprenais le boulot et j'avais pas d'agenda pour ces dates-là. Donc là, le rendez-vous pour le vétérinaire. Donc là, c'est la semaine qui vient. Là, j'ai mis une formation du boulot, mais au final, c'est pas celle-là que je vais avoir, c'est une autre. Et donc tous les jours, je vais essayer de remplir le nombre d'heures que j'aurais fait, parce qu'en début d'année, on n'est jamais... je crois que comme ça, ce sera mieux. Ouais, donc au début d'année, on n'est jamais en planning fixe parce que y a toujours des ajustements à faire. Enfin, bien que là, je passe à temps plein, donc forcément, je vais travailler sur les 5 jours. Après, donc, il y a l'autre semaine, c'est pareil, il faut que je note au niveau du boulot. Ensuite, là, j'ai noté parce qu'on arrive au Dreamcastle avec Lorraine le vendredi soir. Après, on a la Dapper Day, j'ai noté tous les différents rendez-vous qu'on a prévus. Donc, 9h30, le train. Donc, c'est... on prend le train dans le parc principal, pardon. Le plus possible de Disney Bounder pour chanter dans le train, donc à la station de Main Street. Après 11h15, Fantasia Garden. Donc Fantasia Garden, si je me trompe pas, c'est le parc qu'il y a entre les deux parcs, donc une fois qu'on a passé la partie Disneyland Hotel. Après midi et demi, là c'est rendez-vous vraiment Dapper, c'est à la place de Rémi, donc ça va être sympa d'aller faire des photos. Et 17h, meet-up de Pixie qu'on tient absolument à faire avec Lorraine. Après, pour le
dimanche, on a un rendez-vous, c'est de 11h30 à 13h, on va avoir un tour guidé par rapport à la journée du patrimoine, donc on a vraiment hâte de le faire et de voir ce que ça peut donner. Après, bah, là j'ai noté les Disney Boon qu'il faut que je fasse sur le week-end. Ensuite, bah là, j'ai rien de prévu, rien de particulier. Pareil, je vais noter par rapport au boulot, les différents rendez-vous qui vont pouvoir s'ajouter. Ensuite, là, bah, j'ai marqué la semaine banalisée parce que du 24 au 28, c'est une semaine particulière côté collège. Donc, à voir si moi, je vais vraiment devoir y participer ou pas. Et après, donc, on passe à octobre. Pour l'instant, vous voyez, il n'y a pas vraiment grand-chose. Hein, parce que bah, j'ai pas de rendez-vous particulier ni quoi que ce soit, mais voilà. Alors bon, j'étais interrompue, mais du coup bah, j'ai modifié sur mon carnet, j'ai rajouté mes vidéos YouTube que j'avais oubliées. Donc là par exemple bah, j'ai marqué la vidéo que je suis en train de tourner, donc dans une couleur particulière. J'ai pas marqué celle qui est prévue, qui était prévue pour le dimanche 2 parce que bah, elle est déjà programmée à être en ligne. Là j'ai marqué celle qui va être en ligne, quand est-ce que celle que je suis en train de tourner donc va être en ligne, la prochaine que je vais devoir filmer. Voilà, vous n'avez pas de surprise, du coup vous saurez à peu près à quelque chose près. Donc après à passer donc la semaine, donc une fois cette vidéo tournée, il n'y aura plus qu'une vidéo par semaine parce que bah, ça sera assez difficile de maintenir le rythme. En étant à temps plein, j'aurai pas forcément de moment pour tourner deux vidéos dans la semaine et monter surtout deux vidéos. Parce qu'encore les tourner, c'est ce qui prend le moins de temps, je trouve, par rapport au montage. Donc ensuite, bah là, il y aura vlog. Voilà, il y a quand même une vidéo qui sera prévue ce jour-là. Donc je les ai notées donc, toutes les semaines. Je pense que le dimanche, ça sera consacré donc à ça, tourner la vidéo et mettre en ligne. Donc pour le mettre en ligne, j'aurai toute la semaine d'après. Voilà, donc là on arrivera en octobre. En octobre c'est pareil, il faut que je continue de faire tout ça. Donc voilà pour la vidéo organisation pour septembre. Je ferai la même le mois prochain. Je pense que ça peut être intéressant d'avoir ce style de vidéo sur ma chaîne. D'autant plus que bah, chaque mois ça changera. Et puis j'essaierai vraiment de m'y mettre en avance par rapport au mood trackers. Oula, l'accent que j'ai pris. voilà, donc comme je vous l'ai dit juste avant, il n'y aura plus que, à partir de cette vidéo-là, il n'y aura plus qu'une vidéo par semaine, voilà, pour quand même me tenir à ma chaîne YouTube sans l'abandonner comme à chaque fois que je la reprenais et que bah, j'arrêtais parce que j'arrivais plus à maintenir le rythme. Donc là clairement, je vais vraiment m'y mettre. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous aussi vous avez un système d'organisation par rapport au, comment dire, à votre mois, des choses que vous faites pour vous garder organisé et que vous avez vu que moi je ne faisais pas, n'hésitez pas à me partager en barre d'infos, ça peut m'intéresser et me permettre de m'améliorer dans mon organisation. Donc voilà, je vous fais à tous des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Salut !